Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul nose. Donc j'ai pris quelques petites choses alimentaires. Donc j'ai pris ça, des snacks, enfin des trucs pour l'apéro, donc cacahuètes enrobées et biscuits soufflés, saveur spicy barbecue. Donc 89 centimes, date de péremption novembre, donc ce sera quand même mangé assez rapidement. Et bah voilà, 89 centimes, j'en ai pris deux paquets. J'ai pris ça aussi, des petites décorations pour les petits gâteaux. Donc rose, vous voyez, il y a plusieurs choix. Voilà. Donc 1,99€. Ensuite, l'alimentaire, c'est absolument tout. Donc j'ai pris des choses pour les garçons. Donc comme on est à la rentrée, c'est depuis 2 jours, mais bon, du coup, il commence un petit peu à solder la papeterie. Donc j'ai repris des trousses, malgré qu'ils en ont déjà. Vous voyez, des trousses garçons. Alors à la base, elles étaient, si je ne me trompe pas, elles étaient à 1,20€, donc ce qui était déjà pas trop cher pour une trousse, et là c'est à 60 centimes. Donc j'en ai pris d'avance. On peut, on n'est pas à l'abri d'avoir des trousses déchirées, etc. Donc j'en ai pris d'avance. J'ai pris aussi celle-ci, qui n'est absolument pas pour les garçons, mais j'ai trouvé très très jolie. Mais celle-ci n'était pas soldée, mais elle était à 1,75€ et je l'ai trouvée très jolie pour moi. Donc voilà, pour moi. Donc après voilà, hein, peut-être pour faire une petite trousse pour mettre du maquillage ou je sais pas. On verra, mais je l'ai trouvée tellement belle que je l'avais laissée. J'ai fait plusieurs fois le tour du magasin et à la fin je me suis dit, bon allez, prends-la, tu vas regretter. Ensuite j'ai pris ça. Ah, j'ai un... Excusez-moi, j'ai un petit chat qui passe dans la vidéo. T'avais envie de leur dire bonjour. Voilà, je vous présente Marceau, le petit chat qui veut faire des tours dans les vidéos. Oh, il n'est pas content. Ensuite, j'ai pris des gommes en forme de voiture. J'ai trouvé rigolotes. Bon, c'est pas forcément pour l'école. Hein. Mais 95 centimes, les garçons vont se les partager. Et voilà. Hein. Écoutez. Et ça... Bon, ça, j'ai peut-être pas forcément fait une super bonne affaire. Je sais pas si vous voyez, c'est des petites bagues. Alors, ce n'est pas pour moi. C'est pour un petit garçon qui adore les bagues. Voilà. Donc, oui, c'était pas forcément une bonne affaire parce qu'elle était à 89 centimes. Je les ai trouvées jolies. Parce que quand un petit garçon aime bien les bagues, ce n'est pas évident de trouver des choses pour garçons. Voilà. Petit aparté. Ensuite, j'ai trouvé un petit short. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, alors c'est une marque qui s'appelle Love Pink. Et il était 1,99€. Donc pourquoi s'en passer, hein? Bon, après, il y avait. Il le faisait en blanc ou. Le faisait en blanc ou. Je sais plus, je crois qu'il y avait une couleur foncée. Mais j'ai pris que gris. Ah oui. C'est pas parce que c'est 1,99€ qu'il faut aussi trop se lâcher. Par contre, je me suis un peu plus lâchée sur donc, mon produit phare de ce haul nose. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est les eaux fraîches Catier. Ah, je vous montre. Alors, elles sont super belles. Vous voyez ? La bouteille est très très jolie. Alors j'ai pris les trois. J'ai craqué et j'en ai pris même une à offrir. Mais en fait, je vous explique, je les ai pris. Je me suis lâchée parce que c'est des produits. Je les ai vus sur Instagram. Je ne les ai encore pas vus sur les produits, sur des haul nose. Parce qu'en fait ce sont des produits qui valent pas mal cher, enfin pas mal cher par rapport à ce qu'on les paye de chez Holnose, de chez Nose. Donc là elles sont à 3,50€.
Et si en faisant un petit peu les tours sur les sites, on les trouve à entre 20 et 27 euros. Voilà, on les trouve à beaucoup plus cher. Alors, moi, j'ai adhéré sur la rose. Elle sent très bon. La bleue aussi. Par contre, la jaune, elle sent bon, hein. Mais il faut que vous aimiez les odeurs un peu citronnées. Je pense qu'elle peut être pas mal pour l'été, quand on ne veut pas être attaqué par les moustiques. Donc, je vais vraiment rester sur la rose et la bleue. Après, j'ai aussi beaucoup craqué sur les produits Verger Shop. Donc, il va falloir que je me calme sur tous ces produits. Mais quand on voit les bonnes affaires qu'on fait, c'est on fait du stock. Voilà. Et c'est vrai que je n'achète plus vraiment de produits ailleurs que chez Nose en ce moment. Donc, ce sera tout pour ce haul Nose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bon, positifs si possible. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à bientôt !